La Coupe du Monde, organisée en France en 1998, donne l'occasion à la Poste d'émettre le premier timbre rond de son histoire. Traditionnellement, le timbre est un quadrilatère. Les dimensions de ce rectangle ont régulièrement évolué, mais les découpes fantaisistes ont toujours posé un problème. Pourtant, nombre de pays se sont affranchis de la forme. Triangulaire pour la Colombie-Britannique dès 1853, hexagonale pour la Belgique en 1897, et le premier timbre rond de l'histoire provient de Singapour en 1978. Ce n'est que 20 ans plus tard que la Poste française réalise cette prouesse technique. Car la difficulté résulte dans la création d'une machine capable de perforer et donc de prédécouper des planches entières de timbres. Et la Poste souhaitait réaliser une perforeuse qui puisse donner au timbre n'importe quelle forme souhaitée. Ainsi, en 1998, la machine est au point et le premier timbre rond est émis. Puis, l'année suivante, le timbre ovale pour le rugby ou encore le timbre en forme de cœur pour la Saint-Valentin. L'organisation de la Coupe du Monde de 1998 offre donc une vitrine exceptionnelle à la Poste française et le timbre Poste en sera le relais. Il sera écoulé à 116 millions d'exemplaires. Au lendemain de la finale gagnée par la France, paraît un deuxième timbre rond avec la mention « Champion du monde ». La Poste avait pris le risque d'éditer ce timbre qui aurait été détruit en cas de défaite. Elle prendra le même risque pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2012, pour laquelle la ville de Paris était candidate, ou encore pour la finale de l'Euro de football en 2016. Malheureusement, face aux deux échecs, tout a été détruit, timbre, ébauche et autres projets. Une seule pièce reste pourtant pour la finale perdue de l'Euro, une planche, pièce unique de cette victoire tant souhaitée, est conservée au musée de la Poste.